Bonjour, c'est Kadi, bienvenue sur Kadi Gaming pour ce premier épisode du nouveau DLC de GTA, le raid de la ferme Clocking Bell en compagnie de Rick et TVH. Coucou. Et on se reprend chez moi. Enfin, non, chez moi, enfin, si, c'est chez moi, c'est dans mon truc du dépannage. Comment s'appelle déjà le truc là, le... C'est pas un truc du dépannage, comment s'appelle le garage là. C'est mon garage, on va dire dans mon garage. Où on avait fait le dernier DLC, les viewers. Enfin, quand ils disent DLC, en fait, c'est plutôt mise à jour du jeu, ajout du jeu. Ou DLC gratuit, si vous préférez. Et en l'occurrence, on l'a fait aussi en vidéo. Donc, allez jeter un œil sur la chaîne, les viewers, si vous êtes intéressés pour voir cette partie du garage là. Et nous, ce qu'on va faire, c'est évidemment passer au nouveau DLC, donc le raid de la ferme Clocking Bell. Rick avait un petit résumé, et normalement, il y a quelqu'un qui doit nous appeler. Donc, c'est une casse, voilà, c'est pas un garage, c'est une casse. Il y a quelqu'un qui va nous appeler. Donc, s'il m'appelle, Rick, je te couperai. Donc, je t'inviterai justement à. Bah, à relire le petit résumé que tu nous as fait juste avant le début de la vidéo, parce que les viewers, eux, n'ont pas entendu. Et moi, je ne l'ai pas saoulé. Ouais. Bah non, je suis plus dessus, là. Ah, t'es plus dessus. Bah non. D'accord, je t'ai proposé d'éventuellement le garder au cas où, mais tu l'as pas écouté. Donc, ce qu'on va faire les viewers, parce que je vais recevoir un appel de c'est Vincent. Ouais, Vincent... En anglais. C'est Vincent ouais. En anglais, en fait, il est pas... D'accord. À l'américain. Qui va normalement nous lancer le début de la mission. Alors, en quelques mots, normalement, Vincent, c'est quelqu'un qui était déjà dans le casse du casino, la mission du casse du casino, pardon, était que vigile, je n'ai pas fait. En fait, dans le casino. Donc, il était vigile pour le volet, ou il était juste vigile parce qu'il a voulu être vigile? Non, il était vigile. D'accord. Il était vigile. C'était une vocation. C'est une vocation. Et en l'occurrence, donc ça a dérapé, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je le recharge. Pardon? Je suis en train de recharger la page justement. Et donc globalement, non mais qu'est-ce qui s'est passé dans le casse de casino? C'est ça a dérapé et puis finalement il a vu qu'il pouvait faire un peu plus de pognon, du coup il a arrêté les vigiles. Non, il avait été viré je crois. Ouais, ça remonte à loin. Mais... TVH, ouais. J'ai ramené ton corbillard. Donc c'est une voiture qui gagne le casino les viewers. Hein. C'est juste que c'est de la merde. Franchement, c'est de la grosse merde. Mais les viewers, ce qu'on va faire en même temps, on va attendre que justement Rick trouve son résumé et qu'on ait cet appel de Vincent là, sinon on fera une ellipse. Ouais, ça y est, je l'ai. Pour aller tourner là. Alors Rick, on t'écoute. Alors, le raid de l'usine Clocking Bell. Alors attends, il y a l'orage. Attends, c'est quoi? C'est le cœur. Pardon? Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe là? Il y a mon jeu qui. Non, c'est normal, je t'ai fait rentrer dans le casino. Ah oui, d'accord. Ça va marcher dans quelques instants, là je te vois déjà. Alors, depuis qu'il a été, ça y est, je l'ai. Oui, on t'écoute. Depuis qu'il a été relevé de ses fonctions de chef de la sécurité du Diamond Casino and Hotel and Resort, Vincent Effenberger a troqué son uniforme de vigile contre un badge et une arme du Los Santos Police Department, LSPD. Et la corruption fait rage dans les rangs du LSPD et Vincent en a déjà assez de servir le café à des rips. Il compte bien régler leur compte aux flics véreux et il a appris que les cartels de drogue ont été déplacés un gros stock de cocaïne depuis l'usine Clocking Bell, Palito Bay, avec l'aval de certains membres du LSPD qui ont promis de fermer les yeux en échange d'une part des profits. Pour préparer cette opération, vous allez devoir vous constituer une caisse noire d'argent blanchi, mettre la main sur l'équipement et les armes de votre choix, obtenir des infos capitales sur le chef de la police. Excuse-moi, je t'interromps, il y a Vincent qui m'appelle. Bonjour, c'est Vincent, nous sommes pas, j'ai plus le temps de lire. J'ai démissionné malgré moi de mon ancien poste de chef de la sécurité. Rick en prendra juste après, t'inquiète pas. Désolé, on en profite. Donc voilà, il voulait choper quelque chose d'un peu moins orthodoxe et de plus lucratif et saboter l'activité de vos adversaires de longue date. Bien joué TVH, ça vous intéresse, retrouvez-moi au commissariat de Vespucci. Donc tu disais, excuse-moi Rick, du coup je t'ai interrompu. Ouais, ah, attends. Juste la fin hein, du coup, parce qu'il y a juste la fin. Également prendre des décisions stratégiques qui détermineront votre approche. Une fois les préparatifs terminés, vous allez devoir vous infiltrer dans l'usine Clocking Bell et repartir avec la cargaison, augmentant ainsi votre notoriété tout en neutralisant le cartel et des agents corrompus de la ville. Voilà. Ce message s'autodétruira après 5 secondes. Oui, en fait, c'est une mission, un braquage, comme on a déjà dans le jeu en fait de base, hein, c'est ça. C'est juste que c'est un nouveau braquage, bah, globalement. Et ben, TRTV, je sais pas ce que t'attends. Bah, je sais pas où aller, donc je ne pars. Alors moi non plus, j'ai rien. Mais ils viennent nous dire, ça te l'a marqué, normalement t'as eu une... Alors. Je le mets tout de suite, j'essaie de trouver sur la carte, TVH. Normalement c'est à Vespucci, je sais plus quoi, c'est au commissariat de Vespucci. Ah ouais d'accord, les mecs... Non. Alors, attends. J'ai que deux places.
Ouais, bah oui, ouais, c'est, en fait, pour ça que c'est pour ça que moi j'ai pris une voiture à 4 places. J'ai un corbillard, hein, c'est... un pseudo corbillard. C'est pour ça que je venais de commander une voiture à 4 places, bon, c'est bon. On va où TVH? Parce que là tu pars comme un sauvage, mais sauf que je sais pas où tu vas. Voir Vincent. Oui, mais tu vois là, c'est où en fait? Parce que moi je vois pas. Le V sur la map. Alors le V sur la carte. À l'ouest de la ville. À l'ouest de la ville, à l'ouest. J'ai un V effectivement. Mais attends, ouais, c'est ça. Mais par contre, c'est qui? C'est au commissariat, donc c'est censé être un commissariat. Avec une tronche de flic. Oui, parce que c'est un flic. Sauf que lui, il est sérieux et il veut pourrir les ripoux. Il veut pourrir les pourris. En gros, c'est ça. On va voir ce que ça donne, les viewers. Je pense que c'est un petit casse, hein, de ce qu'on va tous rendre compte. J'ai l'impression que ce DLC des viewers, enfin, en fait, c'est l'impression que je disais hors vidéo, parce que je me gourre. Hein. Mais c'est quelque chose, en fait, ils ont fait beaucoup de cinéma pour pas grand chose, j'ai l'impression. Donc effectivement, c'est un nouveau casse, effectivement, c'est intéressant. Mais on parle quand même de une heure de jeu, peut-être une douze heures. Donc ça n'a rien de tout. Mais je pense que ça lance un nouvel arc narratif. Ah bah peut-être, mais toujours est-il que... voilà, je sais qu'ils ont fait un logo spécial, etc. Quand ils font des logos spéciaux sur les DLC, c'est que normalement c'est un gros truc. On attend juste quand même que Rick arrive, hein. Je pense que Rick va plutôt tarder. Ma voiture, moi j'ai laissé la base, alors les viewers, nous sommes en partie privée, hein, en session privée, donc ma voiture ne craint pas grand chose. C'est pour ça que je me suis permis de la laisser là-bas, sinon j'aurais bien... Encore que je peux... Attends, est-ce que je peux la renvoyer? Peut-être que je peux la renvoyer, hein. J'ai les véhicules. Renvoyer le véhicule personnel. Vous n'utilisez pas votre véhicule personnel. Ah oui, d'accord, il me le dit, vous ne l'utilisez pas parce qu'il vient de le renvoyer. Je pourrais en commander une autre, hein, si vous voulez, hein, les viewers. Peut-être qu'il faudrait que je fasse ça, d'ailleurs, que j'en sorte une autre, moi, un joli véhicule, non? C'est pas plus utile de sortir un véhicule? J'ai un véhicule 4 places. Ouais, alors peut-être qu'on va prendre ta pseudo BM, là, ou Lexus, je sais pas ce que c'est, enfin, tout du style. Bref, on est devant le point. Est-ce que tu l'as, Rick? Ouais. Je lance le truc, alors du coup, je vais partir dedans, je sais pas si je peux vous inviter, on va voir comment ça se passe. Eux, pour commencer le raid, bah, écoutez, on est trois dedans, donc je me dis que ça va bien se passer. Ok, donc je suis dedans, est-ce que ça vous invite? Tout seul ou pas? Non, on n'était pas en équipe. alors, comment on fait? Du coup, là, je vais quitter... Et là, tu peux nous inviter maintenant. Alors, attends, je peux t'inviter, mais sauf qu'il y a un problème. Comment je fais? En caisse noire, là, t'as un tableau, là. Non, j'ai rien. J'ai caisse noire, c'est j'ai le un joueur 1 sur 4, tu choisis en fait la difficulté, la oui, vue voilà, opposée, voilà, la radio. C'est là que tu nous invites. Et mais j'ai fait comment pour t'inviter? Une fois que tu fais confirmer les paramètres. Ouais. Alors attends, déjà je vais acheter ça. Ok, je vais faire confirmer les paramètres. D'accord, je vérifie juste que le reste me convient. Alors ça c'est pareil, ça c'est... J'ai pas de radio moi. Voilà, éteinte. On s'en fout, non, ça ne le met pas. On est en normal, difficile. On est sur un difficile? On est 3. Oui. Quitte à se planter, hein. Ok. Donc là je viens. De valider. Maintenant peut-être que je peux t'inviter. Donc tous les joueurs de la session actuelle, donc c'est vous deux, hein, on est d'accord? Ouais. Ok. Ça vous invite, normalement vous avez reçu quelque chose. Ok, connexion en cours là, je vois de Rick qui va arriver. Déjà je vois quelque chose, mais qui me plaît pas. D'accord? Il y a le TVH qui est en train de faire son capitaine abandonné là. De quoi? Ah oui, tu... Tu fais ton capitaine abandonné, hein. Rick, il sait très bien de quoi je parle. Toi, tu sais pas. Moi, non. Non, parce que ta team, là, c'est Gold. Ah, oui, mais ça a toujours été le... J'ai jamais changé, en fait. Ah, bon, t'as jamais été gadu, toi? Non. Bon, c'est salaud, ça, c'est pas corporel du tout, ça. Bon, enfin, bref. Oh, t'as quelqu'un de ce côté, comment on fait pour l'annuler? Comment on le dégage? Comment on fait, t'as pas mis en privé. Moi, j'ai pas mis en privé. Attends, je savais pas. Alors, attends, du coup, j'ai refait échappe. Je peux pas en fait, faut quitter. On va quitter. J'aime bien que c'est toi qui fais ça, Rick, en fait. Mais ceci dit, il est censé avoir une animation, non? On n'a pas d'animation, là, enfin, pas... on a rien, on n'a pas de. Ah, c'est peut-être quand on est dans l'action directe, à mon avis. Alors, moi je sais qu'il y a une cinématique, parce que je l'ai vu sur internet, donc me dis pas que ça se lance directement comme ça qu'il y a rien. Non, mais il va y avoir une cinématique, je le sais, parce qu'on l'a vu dans la bande-annonce. Voilà. Mais il y a peut-être de justifier le fait que tu constitues ton comportement. Rick, c'est quand tu veux. Brunet. Oui. T'es pas là du tout en fait, ou comment ça se passe? Si. Bah tu me vois pas dans le cercle jaune, j'attends que tu viennes dedans. Bah non, mais vas-y, lance. Non, mais c'est parce que je... Enfin... Je disais, j'aime bien que c'est toi qui lance, parce que sinon après, tu vois, moi je foire les paramètres et tout ça, donc... Bon. Bah tu fais partie privée. Alors, attends. Je confirme les paramètres, sauf que la partie privée, je sais pas où c'est qu'elle est. Et là, on est pas dans la merde. Juste après. C'est juste après, ok. Donc là, d'accord, ok. C'est qui? D'accord, c'est... ok, d'accord. Donc ça, c'est réglé. Et donc là, je peux faire joueur de la session actuelle.
Voilà. T'es sûr? Oui. Attends, mais en fait, ça ne met que vous m'attendez. Pourquoi ça ne met pas tous les joueurs? Voilà, tous les joueurs de la session actuelle, voilà. Donc là, on est en privé. Donc, normalement, ça, il peut pas rentrer comme il veut. On espère. On va faire jouer. Ok. Connexion en cours, présent, présent. On y va, c'est parti, jouer. Oui, non? Oui, oui, vas-y, vas-y. Attends, du coup, j'ai pas mis en difficile, j'ai mis en normal, du coup. On peut rechanger. Bah, reviens en arrière, là, tu peux. Alors, on peut juste revenir en arrière, sans que ça foire tout. Nickel, parfait. Je mets en difficile, du coup. Ok. Et là, on est bon. Là, on peut faire jouer, ça vous va? Allez, zoom, c'est parti. Lancement de la session. On croise les doigts que les viewers que ça foire pas. Parce qu'entre moi qui fais n'importe quoi. Et La première étape s'appuie sur l'un de vos talents, la confiscation de biens. Et le jeu qui fait n'importe quoi aussi les viewers, parce que comme il vient de sortir, le DLC, t'imagines bien qu'il y a du monde dessus. Et que du coup, bah ça risque de laguer, ou on risque d'avoir des rollbacks ou genre de quoi. Ah c'est parti. Jolie cinématique enfin. Caisse noire. Whenever's going inside. Now with your reputation for depravity and general aversion to the law, in all seriousness, your countenance is quite discernible, and there are certain of my consociates who would take it upon themselves to exercise their right to lethal force were they to encounter you in person. But it's good to meet you, my friend. Vincent, the LSPD's newest recruit. Let's take a walk. Relax. I'm a cop, but I'm not a cop. This is just where the universe put me right now. I mean, I have my path and you have yours. And quite frankly, I don't give a damn about your antics out there. In fact, we may be able to assist each other. I mean, check this out. You see that misguided individual? How do you think he's gotten away with selling drugs in front of that burger shop very conspicuously for 10 years now? In front of the largest department in the city. He cuts them in. Effenberger, you copy? Yo, Effenberger. A copy. Worst last name ever, dude. I mean, c'est qu'il a un mot pourri. Anyway, when you got five, we all need some effing coffee down here on Dix. And don't forget the effing cream and sugar. Copy that. Oh, these motherfuckers. Huh? I'm out here getting coffee for cops on the take. And that guy over there is only a modicum of the issue. There's a new cartel running a large-scale cocaine operation out of the Cluckin' Bell factory in Polito Bay. And being no doubt, the cops, they're not only turning a blind eye, they're actively facilitating. If you ask me, the cartel and the cops can both go to hell, preferably on the back of the same bullet. I'm talking about a surgical strike, man. Taking out the whole operation. That's why I came to you. Let's go somewhere a bit more unfrequented. I understand your motivation in these matters. If you raid that factory, anything you find is yours to keep. But this isn't about the drugs for me. This is about these assholes running the biggest protection racket in the state. That's the kind of status quo I cannot abide. As far as my part, I can provide all the intel you need. Records, names, locations. We will need to educate ourselves on the factory, though. Gather materials so you can attack it with style and aptitude. Ding fucking dong, Officer Effenberger. We're effing falling asleep over here. Get us some effing coffee. Copy that. I'm on my way. Think about it. If anybody deserves to be fucked with, it's these guys. Can I count you in? Excellent. Now on to the first order of business. Acquire some funds. And fortuitously, we have files on some money laundering operations not far from here. The department allows them to operate for a share of the profits. I suggest we take a more proactive stance. Time to do what you do. I'll call you. Let me take these fucking assholes their coffee. Ok, donc là, ils sont venus nous appeler. Faudrait que je commande un nouveau véhicule. J'ai pris un nouveau véhicule là parce que ça me semble. Tout ça sent bien. Ça sent bien. Ouais, très bien. J'ai quand même prendre mon nouveau véhicule. L'idée en fait c'est de pas me retrouver emmerdé la prochaine fois parce que le véhicule est à la con, j'aime pas trop. Je vais prendre plutôt celui-là. Il y a 3 points.
Vous êtes trop près. Vous êtes trop près de... Ah, super, merci. Mais alors, merci. C'est génial. On peut pas commander de trucs parce qu'on est trop près du véhicule. C'est génial. C'est génial. Tiens, ça, je suis allongé par terre. Regarde ça. C'est n'importe quoi. Ce jeu est n'importe quoi, les viewers. Voilà. Peut-être que j'attends la livraison. C'est pour ça que c'est un truc bizarre, d'ailleurs. C'est quoi? A, B ou C? Bah, le moins loin, c'est A. On a quoi? On a 3 étapes à faire? Ou c'est juste A? Ça. Je sais pas. Il n'y a pas de temps, donc je pense qu'on peut faire les 3. Un lieu. Voilà. Je t'en prie de mon véhicule personnel, je te foutrai. J'ai rappelé du coup. Hein? You're through to your garage. You need me to bring you a ride? I'll bring it to you. What the hell are you doing over here? Pure simplicity. Get inside. Get the money. Get out. Based on comms, they do not look pleased with you. J'ai tué tout le monde, hein. Comme toi. Il en reste un là-haut. Exact. Ah bon, je pense que c'est bon. Non, il est encore là, il est rouge. Ouais, il a pu avoir beaucoup dit, mais Et ils sont en train d'arriver. Là dans le lieu. Faut aller à l'intérieur. Mais, et, l'entrée est où? Elle est de l'autre côté. Ah oui, c'était la grille. D'accord, autant pour moi. Je reviens, je suis là, je suis de l'autre côté. Je suis parti devant en fait. La grille. Je vais plutôt couvrir devant. Quelle grille? Le volet rond. Garage. Non, mais il me propose pas d'entrer dedans. Ah oui, ici là, d'accord. Ok, autant pour moi. Alors, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Déjà, il y a du monde à l'extérieur. C'est quand vous voulez, hein, parce que j'ai commencé. Oui, je suis là. Faites donc, je couvre devant. Attends, par contre, il y a alors, regardez dans la petite pièce s'il n'y en a pas d'autres qui arrivent. Non, attends. Alors, il y a une deuxième machine, hein, ceci dit. Hein. D'accord, je vois que t'as allumé. Il y a deux machines, mais on est trois. Hop là. None of this stuff isn't in circulation. Ça, c'est pas mal, hein. Mais je crois pas en fait, c'est clic gauche ou c'est clic droit? Non, c'est clic gauche. C'est, ça reste marrant de le faire, mais c'est bon, je vais tout ramasser. Et on se casse? C'est bon? Ouais. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse les 3 points. Oui, oui. Ça, après, on peut se les faire ensemble, ça peut être plus sympa. Je pense que. Voilà, bah, d'accord, il y a des corps qui tombent partout aussi. Attends. Prends ce que tu veux, Gazu. Non, mais il y a mon véhicule qui est là. Oh, shit. Ouais. Ah, mais vas-y, roule là. Ah bon, bah on se sépare. Non, c'est enfin, on reste dans la même, mais c'est bien d'arriver à deux, pas un seul véhicule. Parce que si on est un peu coincé, ça fait un peu chier. Et même plus que j'ai vu ce véhicule là, les viewers, c'est mieux qu'espérer. Enfin. J'achète que des véhicules que. Enfin, j'achète que des véhicules. Je n'ai des véhicules que ceux que je gagne en fait au gazier. Attends, tu prends pas dans mon véhicule. Je t'ai pas mis droit là. Mais oh. Je crois qu'ils m'ont crevé les pneus. Les deux pneus arrière, c'est pas grave. Donc vous allez au point B là? C'est ça. Tu me dis que oui. Vous pouvez les pneus. Arrête pour. Rentre. Je crois que j'ai plus de tulle. Alors j'essaie d'avancer, mais sauf qu'avec mes deux pneus crevés à l'arrière, j'aurais dû acheter des pneus normal. Merci de les rappeler devant moi. Je tue les ennemis en attendant, hein, vous inquiétez pas. Ils sont déjà tous fermes. Non, parce qu'il y a plus de deux ans qui arrivent. Ah, parce que t'as pas été au même endroit. Bah si, je suis au même endroit que vous. Bon. Bah regarde, là sur la carte. J'ai laissé mon véhicule au milieu du carrefour. Quand on a besoin. Il est super loin de nous. Hein. Ah, c'est quoi là? Comment ça se fait que j'ai un truc bleu sur moi là? Putain, c'est... tu veux me dire qu'en fait on est pas au même endroit? Si? Ah, pourquoi vous dites que je suis pas loin? Si, je suis là. Bah non, faut juste rentrer sur le logo B. Ouais, bah ça y est. Là, c'est là, ça y est. Je passe la porte. Par contre, on a zéro vie. Mais ça, c'est parce que justement on est en hard. Donc il va falloir attention de pas crever.
Je vois tous les deux en train de fouiller là. Attends, il y a encore un troisième point pour moi. Ok. C'est le fric, hein, les vieux. It's our duty to confiscate it all. Oh, c'est vrai qu'il faut pas qu'on crève. Je savais pas qu'on avait zéro vie. Du coup, on va laisser ma voiture où c'est qu'elle est, hein, parce que de toute façon, elle a plus de pneus. Ça, c'est fait. Si j'avais su. C'est bon, elle se répare ta voiture à faire. Non, elle se répare pas. Pardon. C'est vrai, parce qu'elle est pas mal. Elle est un pneu à plat aussi, je crois. Mettre un point sur le passé. Oui. Oui, monsieur. Je me fais ça. J'arrive pas à le mettre. Pourquoi double clic, ça marche pas? Non, c'est fait. C'est pas grave. Je vois pas. Non, je vois pas non plus. Ah bah, c'est pour ma tronche. Ça marche plus, ça, on peut plus partager les points. Non, moi j'arrive même pas à le faire, tout court. Tout droit en droite. Soit on a eu un bug. Ensuite à droite. Pour moi, tu double cliques sur le point. Non, mais je présume. Prends gauche. On va être sur la marina. Enfin, pas sur la marina. Mais c'est quasi la ligne. Alors c'est. Non, c'est en plein centre. En plein centre. C'est comme centre, Eric. Je conseille de tourner okay. À droite. À droite quand tu peux, ouais. C'est un peu en diagonale en fait par rapport au thé, donc tu fasses droite gauche, de toute façon, je vais y aller. Et tu vois, là déjà, cette carte, tu devrais le voir proche maintenant que toi. Par contre, c'est moi, ouais, t'as un pneu à plat, on est d'accord, mais c'est un pneu avant, donc ça. Ouais, ouais, c'est pas la jugulaire que je voulais, ça, c'est la... les stocks, celle-là. On la rose. Ouais, ah oui, d'accord, ok. J'ai un rollback pour un fou. Ah bah on a perdu. On a perdu. Bah oui, c'est mort. C'est pas grave ça. On peut continuer en fait sans Rick. Et par contre, nous on peut plus crever. D'accord, nous on a pas vu la même chose, Rick. Désolé, mais c'était pas du tout pareil pour nous en fait. Donc on termine sans toi ou on la refait? Allez-y. Si, parce que je pense qu'en fait y'a plus que ça à faire, c'est pour ça que je me dis que c'est peut-être pas le coup de recommencer. Sachant que j'imagine que tu vas avoir autant de sous que nous. Ah bah là, moi je suis en vidéo là. Oui, mais tu vas recevoir quelque chose ou quoi? Ah, je sais pas. J'espère que tu vas recevoir quelque chose, sinon. Bon, sinon, au pire, on pourra la refaire, c'est une mission de préparation, c'est pas. C'est forcément super. Attends, tiens dessus. Ah, derrière vous. Mais attends, mais je reviens. Sors de là. Mais sors de là, espèce de connard. Non, mais c'est quoi ce bordel? Il tire pas tant que oui, oui, en fait, alors, moi j'ai un problème. C'est que je peux pas sortir. Alors déjà, j'en reçois des messages à la con là de spam, les viewers. Je sais pas si vous voyez où à droite. Ah, d'accord, ok. Donc, alors, heureusement que on n'est pas mort, parce que là, j'aurais bien vu mort. Hein. Moi, le truc, c'est mes gilets pare-balles, ils tankent une balle. Donc, Il y a un sac à rappeler. Il y a encore le sac à ramener, mais ça m'inquiète pas trop. On va avec ta voiture, hein. Bah, la voiture, déjà. Ah, bah, on n'a pas accès à ce véhicule personnel, et ensuite, bah, il bloque un peu la queue. Il y a un autre véhicule au front là. Ouais, le rouge, on va prendre le rouge. Eric, t'es là, j'étais là ou quoi? J'arrive. Alors, je sais pas ce qu'il nous dit en bas, les vieux. J'ai plus de vie en tout cas. En tout cas, j'ai plus ce qu'il nous dit, t'es là, donc magne-toi. Hop, je suis là. Et là, il va falloir que tu les allumes parce que j'ai crevé en pas longtemps, je pense. Tiens, faut que tu manges des encarts. Oui, je sais, mais là, je suis en train de crever. C'est compliqué de manger des encarts. On va dire que je vais pas me prendre de balles. Ce qui est plus grave, mais. Putain, hey, putain, déjà il nous vise les pneus. Première balle, les pneus. Il y a un pneu crevé, je crois. Ouais, un pneu sur la jante. On a 2 km à faire comme ça. Et je pense qu'il va falloir crever. Ouais, je veux bien que tu les fumes un peu parce que je vois les balles passer devant moi là. Je regarde que devant moi, les vieux. Hein, je regarde pas derrière. On est en difficile. Difficile veut dire que bah, on aimerait bien quand même y arriver et qu'on n'a pas beaucoup de vie. Évidemment. De vouloir y arriver, bien sûr, sinon on ferait pas cette vidéo, les vieux. Mais bon. Peut-être que j'ai été un peu prétentieux en me disant ça va passer en difficile. Après, bah oui, il y avait des rollbacks, mais ça, vous l'avez vu de toute façon. Les gars. Parce que toi, Rick, t'as pas vu en fait, mais quand t'as dit coucou, en fait, nous, moi je me voyais en fait devant le bâtiment. Tu te garais gentiment devant le bâtiment, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a après? Ah, oui, d'accord, alors que en fait, oui. J'attendais que vous allumiez et j'étais oui, tout seul. Oui, bah c'est pour ça. Il y a un véhicule en face, TVH. J'ai commencé à allumer, mais il tombait un peu plus. Ah bah, je comprends mieux s'il y avait eu un décalage. Bah c'est pour ça que... Ah oui, t'inquiète pas qu'on a pas fait exprès. Ouais, là, je...
dit bon bah il tire pas, je vais les écraser. J'en ai écrasé deux, mais le troisième. Putain, j'ai pris cher. Heureusement que ma vie est remontée, TVH, parce que là j'ai pris. Enfin, j'ai pris cher, j'ai pris des balles. On est à 300 mètres. Oula, les véhicules font un peu n'importe quoi. Genre, ils accélèrent. Tu prends à gauche là, tu prends à gauche tout de suite. Gauche. Oui. C'est ça que c'est pas mal. Et là, là-haut. À droite. J'aimerais bien. C'est bon, je le tour, tu fais le tour, ouais, ouais, vous pouvez monter le mur. Voilà. Alors, c'est un miracle, les viewers, ce qui vient de se passer. Oh, bah, on n'est pas mort. Ah, vous avez le troisième sac. Oui. Bah, le troisième sac, on l'a pris automatiquement quand on est passé près de toi, non? Ouais, mais avant, on pouvait avoir qu'un sac. Alors, est-ce que t'as des sous ou pas? Est-ce que t'as gagné quelque chose? Ouais, 1900. Superbe. C'est génial. Au moins, c'est pas perdu. Parce que c'est vrai que ça aurait été con d'en faire la mission juste pour les deux minutes qui manquaient. Voilà. Enfin, je pense que ça te dérange pas que tu sois mort et que tu restes mort. Et à nous regarder, on va dire. Nous observer du haut de ton cercueil aussi. Oui, parce qu'on perd pas le sac, c'est ça qui. Avant, c'était ça. Donc tu perdais, c'est-à-dire qu'on n'avait pas les sous en fait qui étaient dedans, c'est ça que tu veux dire? Non, avant, il aurait fallu refaire un aller-retour. Ah, d'accord. Bah. Chercher le troisième sac qui serait resté au sol. Bah, c'est cohérent. C'est un peu con, hein, du coup, les viewers, parce que c'est vrai que dans la logique, ça aurait été bien de le faire. Mais bon. On va dire qu'on va accepter que ce soit comme ça maintenant, parce que s'ils l'ont changé, c'est sans doute pas pour rien, donc. Ok. Ouais, parce que bref, ça permet comme ça de le faire seul. Et de ramener trois sacs. Tout ça. Oui, d'accord, oui, ok. Oui, oui, pour que ce soit comment, logique. C'est ça que tu veux dire. Il y a trois sacs, il y a trois sacs. Parce que sinon, le gars est tout seul et. Voilà, moi je suis tout seul. Alors, moi c'est en train de charger les viewers, donc je pense qu'on va juste laisser ici. De toute façon, ça va être la suite, je pense, du. Bah, c'est la suite, en fait, de. Comment dire, du. Du braquage, du raid, c'est un raid. Ah, parce qu'on n'était pas en groupe professionnel, on a dû se mettre. Et je pense que, alors déjà, on va commencer par faire ça pour la prochaine vidéo, les viewers, on va se mettre déjà en groupe, déjà pour commencer. Voire même, tu sais, qu'il y a un groupe professionnel où on gagne même du pognon, tu sais, là, à rien faire. Ouais, c'est ça, garde du corps. Voilà, je viens de réapparaître, justement. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est se laisser ici, et se dire à bientôt pour la prochaine vidéo et la suite de notre aventure. Allez, bye bye. Allez, bye bye.